ملت تتنين هي فليات ملت تتنين هي تزجار ديهن ورتس كنزر ساسا نسوى دغني زي درهم ماني ناسي سيولا فليات ملت تتنين هي فليات Fez est une ville d'1,1 million d'habitants qui appartient à une région formée à peu près de 4,2 million d'habitants. Et donc c'est considéré comme une métropole, entre guillemets. Et Fez, c'est une ville qui se situe dans la plaine de Saïs, qui était parmi les plaines les plus fertiles de la région. Et donc le développement de cette ville se fera obligatoirement avec l'intégration de l'ensemble de cet arrière-pays. Avec le développement de la ville, avec l'extension, pas seulement de la ville, avec l'extension des petits villages aux alentours, que cette surface qui avait une grande production agricole a commencé à diminuer. Puis par la suite, il y a eu le Maroc, il a connu une période de sécheresse et ça fait que beaucoup de populations environnantes a rejoint, c'est-à-dire la ville de Fès, un éventail de couches sociales qui est vraiment très, très étendu. Donc Fès est une ville qui a ses contraintes, qui a ses problèmes, mais aussi c'est une ville qui est vivante, qui cherche à se développer, qui a un patrimoine merveilleux, culturel, qui a été classée la première ville classée patrimoine universel. L'agriculture, c'est l'arrêt de la migration rurale. 80% des revenus des ruraux viennent de l'agriculture. Donc c'est un secteur clé, fondamental. Paz et ses environs, on a deux types de production agricole. La production intensive, c'est les fermes que vous voyez dans le bassin de Saïs, qui sont des grandes exploitations. La production, c'est essentiellement l'olivier, essentiellement aussi tout ce qui est pommiers, poiriers, les raisins. Mais d'un autre côté, toute la zone de montagne, vers Taounat, vers Taza, la production est surtout limitée en termes de superficie. C'est des exploitations d'un hectare, d'un demi-hectare, de 2 hectares, et ce qui forme la masse. Les politiques agricoles marocaines, depuis toujours, ils se sont focalisés, ou bien intéressés essentiellement aux aspects techniques, mais en négligeant le facteur humain qui est l'agriculteur en matière d'accompagnement, de formation, etc. Lorsque l'État s'est désengagé pour des considérations économiques, l'agriculteur s'est senti comme étant lâché, comme l'agriculteur lui-même dit. Il dit « vous nous avez livré au privé ». Le système scolaire marocain, il a énormément de problèmes parce qu'on a beaucoup de déperditions. Des gens qui sortent de l'école sans aucun diplôme, sans aucune qualification. On a un autre problème, c'est les lauréats d'université. Dans la région de Fez-Meknes, on a 200 000 jeunes en attente du travail, qui ne sont ni à l'école, ni au travail, ni au stage. Et donc, d'un côté, on a un offre d'emploi, de l'autre côté, on n'a pas de main-d'œuvre qualifiée. Les jeunes, actuellement, ils ne sont pas trop intéressés par l'agriculture. Et les jeunes d'aujourd'hui, ils sont plutôt intéressés, ils sont orientés vers les villes, vers la lumière, vers les vitres, vers les bureaux, vers les ordinateurs et tout. Si demain, il n'y a pas d'agriculteurs, je ne sais pas. Il y aura de la ville partout et ça sera dommage parce qu'on a une terre magnifique. On a assez de pluie, alhamdoulilah, on a assez de soleil, on a tous les moyens, sauf les moyens humains. Triste d'être fissé sa chaise à mon âge. Comme une vie... Fès, pendant longtemps, a été une capitale de l'huile d'olive. Maintenant, dans le traitement de l'huile d'olive, Fès est reconnue pour ses massas, c'est des huileries traditionnelles. Et Fès s'est dotée d'une industrie de trituration de l'olive très performante à la pointe de l'art. Et cette filière n'est pas sans
provoquer des difficultés environnementales parce que la trituration, il y a beaucoup de margines, il y a beaucoup de déchets qui sont rejetés, des fois dans la nature, et ça finit dans les cours d'eau, ça finit dans les nappes, et des fois dans les réseaux d'assainissement des agglomérations. Ça pose aussi un grand problème environnemental pour la ville. La tendance d'agriculture au Maroc, c'est 95% d'agriculture conventionnelle, si pas plus. Le ministère de l'Agriculture au Maroc, pour l'instant, parle d'agriculture conventionnelle et raisonnée. Ces agriculteurs, ils apportent beaucoup d'engrais. D'ailleurs, toutes les recommandations pour la fertilisation, pour la lutte phytosanitaire, on vous recommande toujours des produits chimiques. Étant donné que le producteur, elle cherche la rentabilité, il y va. Les produits chimiques ou bien les polluants qu'on rejette dans la rivière, on les récupère dans nos légumes. Et certaines études scientifiques ont prouvé vraiment que certains légumes contenaient pas mal de métaux lourds provenant de l'eau de Sbou. Et cette eau de Sbou, elle est polluée à 40% par les grandes villes, la ville de Fez, la ville de Meknes. Aujourd'hui, il y a une petite niche d'agriculture biologique certifiée qui vient de naître et un logo marocain qui sera déployé, enfin qui se déploie à partir de septembre 2018. Mais c'est encore très timide. Moi, j'ai eu des problèmes de pesticides, des problèmes dans ma famille, des attaques, des choses que j'ai vécues. J'ai vu des cas, des voisins, des amis qui ont vécu des problèmes horribles avec les pesticides. Bien sûr, à partir de là, j'ai pris conscience de problèmes des terrains qui sont en train d'être pratiquement stériles à cause des engrais chimiques en masse. J'ai commencé petit, avec une idée petite, très réduite, très étroite, un problème personnel, et puis j'ai abouti sur un problème mondial, quoi. Le développement durable, le problème d'environnement. Évidemment, la problématique de l'eau, donc, il s'impose, vu les changements climatiques qu'on vit. Donc les périodes de sécheresse sont devenues parfois chroniques. Les précipitations ne sont pas donc régulières. Personne ne peut nier l'impact positif du plan Maroc vert. Il a permis, premièrement, c'est l'augmentation de l'intégration de machinisme au niveau de l'agriculture. Les gens ont commencé à changer le mode de production, à chercher la qualité, à chercher la labellisation. Donc, c'est des procédés et des termes qu'on ne connaissait pas auparavant. Récemment, dans la région de Fez-Meknes, les agriculteurs qui ont le goutte à goutte et qui irriguent, qui gaspillent l'eau plus que le système gravitaire, qui lâchent le robinet à plein temps pour lui, et s'il ne voit pas la parcelle submersée, ce n'est pas d'irrigation. Et donc, sur le plan technique ou la théorique, tout le monde a introduit le goutte à goutte, mais sur le plan pratique, il n'y a pas d'efficience. C'est que finalement, on n'économise pas l'eau. Et tout ça, c'est des problèmes de connaissance, d'accompagnement, etc. Il n'y a pas de cohérence au niveau des politiques, notamment la politique de l'eau et la politique agricole. Le ministère de l'eau, qui chapeaute l'eau, il a un discours alarmant. Il dit, attention, 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 je ne dois pas donner d'autorisation de creusement, etc., parce que la nappe, il souffre. D'un autre côté, le plan Maroc vert, qu'est-ce qu'il dit? Il a financé des nouveaux projets parce qu'il veut développer l'agriculture. Il octroie des subventions aux agriculteurs pour s'installer sur des fermes, etc. On ne peut pas faire l'agriculture sans eau. Et donc, il se rabat sur la nappe. Donc, il faut que les acteurs clés se mettre d'accord pour qu'il y ait une cohérence. Cette nappe-là est surexploitée. Il y a un déficit annuel qui est à peu près de 100 millions de mètres cubes. Ce qui fait que l'agriculture que nous voyons maintenant irriguée, elle est très menacée à l'horizon 2030 si rien ne se fait en matière de gouvernance. 60% du territoire sera désert ici.
enfants sont devenus des frittivores, qu'on ne trouve que des snacks à l'européenne et des repas, des fast-food partout. Je suis entre les deux, je fais attention à ce que je mange. Je fais un peu de cuisine, mais pas 4 heures, 5 heures comme maman fait. Elle a de la patience. Une combinaison entre les deux, entre la tradition et la modernité, mais qui est bonne. Ben on essaye et j'espère que mon mari dira que je fais bien la cuisine. Le rôle des femmes maintenant dans la cuisine, c'est toujours comme avant. On se lève le matin, on prend le petit déjeuner et on commence la cuisine. On commence par les salades et après on prépare le tagine. C'est le mari qui fait les courses. Il connaît très très bien, lui, il connaît très bien le marché et les marchands. Avant, mon père, mon grand-père, et mon oncle, c'est de la honte d'entrer à la cuisine et cuisiner. Maintenant, non. Maintenant, par exemple, le mari de ma fille, il l'aide à la cuisine, il cuisine avec elle. Bhal l'ayalat, il dakhlo l kouzina, il tayebo, bach yihsso bel mra chwiya, w ynqso men l mashakil. لان الراجل دخل الكوزينه غيعطي قيمه لمراته ما غيبقاش كيهينها غيعرف حق المراه شنو كدير وشنو كتحط وغينقص عليه مشاكل الدار وغينقص عليه مصاريف وغينقص عليه الاشياء اللي ما صالحاش ياكلها بزاف الحوايج انا كنبغي نستعمل في الكوزينه شي حاجه اللي مهمه بزاف العطريه كتكون مزيانه وتكون منقيه ومشريه من بلايص اللي مزيانين بلديه هذه صحيه بزاف كتكون في الكوزينه من بعد هذا عندنا الطحين من الاحسن الطحين ديال الكومبلي ديال الزرع ماشي فارين بزاف وهذاك الشيء كله ماشي صحي من بعد هذا كان نفضل نستعمل خضرة بزاف صحية من بعد الخضرة كاين اللحوم كاين الغلمي كاين البقري كاين دجاج بيبي أي حاجة وأنا كنفضل نستعمل هاد الشيء قليل ماشي بزاف نحاول نبعد على اللحم لأن اللحم ماشي صحية بزاف كاين كعدنا باش نعوضوا اللحم ناكل بصارة العدس اللوبيا هادو راه يمكن لهم عندنا تعويضات على اللحم وحسن بزاف من اللحم لان لا سبيسياليتي دو فيس سي لي تاجين سكري سالي اي لا باستيا اوسي سكري سالي اون بريبار اوسي لو كوسكوس Le couscous royal avec les amandes, les raisins secs et les pois chiches aussi, on ajoute les pois chiches et beaucoup d'oignons. Au Maroc, c'est toujours à base de farine, je veux dire, c'est vraiment la base alimentaire du Maroc, c'est vraiment les céréales. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'au niveau de l'estomac, tout ce qui est féculent, tout ce qui est graines, tout ce qui est semoule, etc., ça prend énormément de place. Au niveau micronutriments, il n'y a aucune densité. La base de la plupart des maladies, c'est l'inflammation. Et l'inflammation, on sait pertinemment qu'elle est induite par la nourriture. La nourriture. ومثلا الحوت في البواطات داك لي شاسي البطاطا داكشي كله انا ما كنفضلوش لان كنعرف ناس مازالين صغار بنات ولاد كلشي كيشكي بالمرض l'industrialisation et le développement de l'industrie agroalimentaire ont permis au Maroc ont accompagné la transformation de la consommation de nourriture au Maroc. On était une société rurale essentiellement, on est devenu majoritairement une société urbaine. Ça a permis aussi
de développer des produits qui sont sains au niveau hygiène. Donc, peut-être ils sont pas tous bons, mais au moins ils sont sains. L'alimentation durable, quand on questionne le public, eh ben, il a l'impression qu'ils mangent durablement. Ils mangent propre, ils mangent sain. Au Maroc, il y a une notion de beldi, fermier. Beldi, ça ne veut pas dire sain, sans pesticides. Ça peut être avec pesticides. Moi, personnellement, je veux bien manger bio. Donc, papa, des fois, il part dans les souks, dans des campagnes, exprès pour nous ramener des produits bio. Et on est très ravis parce que ça a un goût, rien à voir avec les légumes et les aliments qu'on peut acheter des supermarchés. Le principal frein, c'est le prix que peut payer le consommateur. Ben forcément, parce qu'on a un surcoût pour la production. Donc, forcément, on doit vendre un peu plus cher. Parce que quand on produit bio, déjà on produit moins, parce qu'on ne donne pas, on ne force pas les fertilisants. Et il y a les risques de maladies, on ne peut pas traiter avec n'importe quel produit. Des fois, des produits soit n'existent pas, soit sont chers. Mais l'idée, c'est atteindre que le bio soit plus cher 30-40%. Je crois que si on arrive à cet équilibre, je crois que ce serait l'idéal. Il y a souvent des consommateurs qui cherchent du bio, ils ne savent pas où. Il y a souvent des producteurs qui ne savent pas à qui vendre. Donc on travaille pour cette problématique. À l'école, on doit apprendre aux jeunes ce qui est bien pour notre santé, ce qui n'est pas bien pour notre santé. Maintenant, personne n'en parle de la nourriture, c'est secondaire pour eux, alors que c'est essentiel pour la construction du citoyen de demain. L'obésité, maintenant, la mauvaise bouffe, les fast-foods, ça se développe dans tous les sens. Alors qu'on a un régime alimentaire ancien, méditerranéen, à base d'huile d'olive, de plein de choses, de légumes frais, de légumes de saison, qu'il faut maintenir, qu'il faut développer, qu'il faut crier haut, que c'est bon pour le climat et c'est bon pour la santé. On a donné la relève à nos enfants. L'école n'a jamais été intéressée par apprendre à nos enfants, à nous-mêmes, de faire la cuisine. Ils ne font pas des sorties, voir la forêt. Que l'enfant grandit et il a dans la tête comment ça se fait, comment cette plante a été toute petite, elle a grandi, il est devenu un arbre et tout ça. Avec Internet, on a plus accès à plusieurs informations qu'on ne trouvera pas dans les livres. La télé marocaine ne nous diffuse pas beaucoup d'informations par rapport à ça, il faut l'avouer. L'alimentation durable, c'est une alimentation d'abord saine, c'est une alimentation propre, et ça c'est fondamental. Donc l'alimentation durable, c'est un créneau d'avenir, et aussi un créneau de présent bien sûr, sur lequel tout le monde doit travailler. Pour moi, l'avenir de l'agriculture, c'est l'agroécologie, parce que c'est une question de la terre en entier. De l'humanité en entier. On a atteint la limite de l'agriculture classique, traditionnelle, basée sur les intrants, les grosses quantités d'intrants. Il est temps de revenir à des pratiques beaucoup plus respectueuses de l'environnement. L'agroécologie est un autre système qui refuse la monoculture, qui essaye de dire que si on revenait à la manière dont la nature faisait les choses. Nous, ici à l'École nationale d'agriculture, on s'est un peu inséré dans cette dynamique et on a essayé d'innover dans notre système éducatif par, si vous voulez, la mise en place d'une équipe de recherche qui s'appelle Agroécologie et Environnement. Et ça, ça rentre dans notre objectif ultime qui est la création d'un centre national d'agroécologie au niveau de l'École nationale d'agriculture de Fez-Meknes. Mais il faut
faire naître des fermes agroécologiques pour que les gens puissent s'initier et le voir. Si on fait un effort de recherche-développement, je pense, je suis convaincu, j'espère ne pas me tromper, que la planète peut travailler en mode bio. C'est un rêve, mais je crois que ce n'est pas impossible. Mais comme l'écosystème, il est plein d'auxiliaires aussi, comme on ne traite pas, donc généralement, à 70 ou 80%, on réussit la production. Parmi les objectifs sur lesquels a travaillé le RIAM, c'est essayer d'installer un label, c'est le SPG, le système de gestion participative. C'est un label de confiance qui doit s'installer entre le producteur et le consommateur pour essayer d'un petit peu de réduire les frais qu'exigent les grands labels européens. Pour moi, le SPG, il est très intéressant dans le sens où ça va aider les gens à faire l'apprentissage de l'agriculture biologique. Le fait que les citadins accompagnent le monde rural est important. Et ça peut créer des zones, des relations qui vont encourager peut-être un jeune producteur à rester peut-être plus en péri-urbain, à rester sur sa ferme parce qu'il vit aussi décemment et aussi bien que d'autres. De son activité agricole. La plupart des problèmes de la ville de Fès, leur solution se trouve dans le monde rural. Il faut stabiliser les gens en améliorant leurs conditions de vie. Il faut que le petit agriculteur ou les jeunes dans le monde rural sachent que la valeur ajoutée passe par l'amélioration de la qualité et de la traçabilité de produits. Et en même temps, valoriser certains produits qui sont originaires de la région. Par exemple, moi, dans la région, je connais l'olivier, je connais le figuier, la figue de Barbarie, le caprier. Donc, c'est ces produits-là qui sont très bien adaptés à nos sols, à nos climats et à notre aridité, parce que ça, on ne peut pas changer de pays. Dans le passé, nous avons vendu notre produit de manière aléatoire et de manière à aller au marché avec un prix raisonnable. Mais maintenant, alhamdoulillah, nous faisons la qualité, nous faisons des produits bien et qui sont demandés sur le marché d'une manière محترمين السلامة الصحية وتنديروا إضافة تنزيدوا واحد لومبالاج وليتيكيت وباش تنعرفوا بالمنطقة ديالنا وتنعرفوا بالمنتوج والنشأة ديالو منين جاي هذا المنتوج هذا وضروري غد داك الربح اللي تنجنيوه من البيع ديال المنتوجات ديالنا ضروري تستفد منه الأعضاء ديال التعاونية ابتكروا بطرق متعددة في الإنتاج من طبيعة الحال ولا عندهم واحد الحب ديال واحد الحب الاستقرار في المنطقة وفي العمل في المجال الفلاحي. جيت فاس-مكناس فكرت في المرأة هنا في المنطقة لأن قبل المرأة كنشوف أن المرأة هنا بكل صراحة مهمشة. المرأة في هذه المنطقة بالخصوص هنا مهمشة. ما كانش مثلا نادي نسوي، ما كانش مركز للمرأة، ما كانش مركز فين تمشي المرأة، ما عندها حتى شي فين تنفس. وفكرت وقلت علاش انا ما نديرش شي تعاونيه هنا بكل صراحه نعاون بها المراه ونخرج المراه من الدار ديالها ما تبقاش كتعتمد دائما على الراجل هو اللي يخدم عليها المحل هو هذا اللي كتشوفوا عندنا اننا كنديروا كسكسو جميع انواع الكسكس عندنا تقريبا شي 14 نوع ديال الكسكس وعندنا استفدنا من المبادره الوطنيه للتنميه البشريه وعندنا نساء كيخدموا لان احنا المنطقه ديالنا ما فيها حتى حاجه للمراه il y a quand même au niveau du programme de Maroc vert on veut créer des souks régionaux c'est l'équivalent ديال le marché de gros et on veut vendre sur place c'est-à-dire chaque producteur il va présenter sauf des échantillons de ses produits dans le marché mais c'est encore un peu loin ça demande beaucoup de gestion mais ça pourrait être éventuellement ça pourrait être une action très intelligente et très pertinente pour pouvoir encourager le développement de certains produits dans la région et les spécialistes nous avons organisé deux salons régionaux d'économie sociale et solidaire et nous avons permis à ces petits producteurs à ces coopératives de produits de terroir et de produits locaux, de valoriser leurs produits et de vendre leurs produits. Ça avait un impact très positif. Nous avons aussi
en parallèle avec ces salons régionaux, organiser ce qu'on appelle des marchés ambulants. Donc les déchets, c'est vrai, c'est une compétence exclusive de la ville, de la commune. C'est une décharge qui organise la mise en dépôt des déchets et puis par la suite qui valorise ces déchets en produisant de l'électricité à partir de la fermentation des déchets. On est en train de travailler dessus pour pouvoir atteindre l'autonomie en matière d'éclairage public à partir de la décharge. On a des produits périssables qui peuvent... ils sont jetés, malheureusement, on ne sait pas le débouché. C'est vrai qu'il y a une centrale qui a été installée dans la région de Fès. J'espère que ça peut servir pour produire des composts et ça pourra servir comme engrais de fond pour l'agriculteur. Il faut qu'on travaille tous ensemble, c'est-à-dire il faut qu'on soit conscient que le produit final, c'est notre responsabilité à tous, gouvernement, région et commune. On a besoin de toute la société civile si on veut bien réussir des choses. Tout d'abord pour faire participer la société et faire s'approprier, c'est-à-dire les projets de la ville, c'est-à-dire par le citoyen, il faut les consulter, il faut savoir ce qu'ils veulent, il faut les laisser, c'est-à-dire s'impliquer dans les projets. Depuis une vingtaine d'années, il y a quelque chose qui a changé et qui change d'une manière perpétuelle à une vitesse très importante. Maintenant, tout le monde est conscient, tout le monde donne un avis. Maintenant, c'est comment prendre en considération ces avis dans les décisions politiques. Dès demain, il faut encourager des bonnes initiatives, des bonnes pratiques. Il faut mettre en place un système d'encouragement. Deuxième point, et il faut travailler sur la sensibilisation. Et moi, dans l'avenir, je crois que la ville a tout à gagner, à garder un arrière-pays actif. Et on doit connaître l'origine de nos produits pour être sûr de ce qu'on mange, que ça vient de chez quelqu'un qui prend soin de notre santé. Oh, love is way. Put a little while you do.